Salut mes élèves, on va continuer notre fiche qu'on a déjà prise à l'école. Comment puis-je diviser un nombre par un nombre plus gros? Par exemple, 8 divisé par 25. 8 est plus petit que 25. Comment je veux faire cette division? Suivez-moi, s'il vous plaît. 8 divisé par 25. Qu'est-ce que je dis? Je dis 8. Combien de fois contient 25? Aucune fois. Donc, c'est 0. 8 camarades fille à 25 ou à la mara, donc j'écris 0. 0 fois 25, c'est 0. 8 moins 0, c'est 8. J'obtiens le reste 8. Moi, je veux le reste 0. On avait dit que la mara reste 0. Pour cela, qu'est-ce que je fais maintenant? J'écris à côté de 0, virgule, et à côté de 8 ici, 0 comme unité. Maintenant, 80 divisé par 25, qu'est-ce que je fais? Je cache 0 et je cache 5. Je dis 8 divisé par 2, c'est combien? C'est 4. 4 fois 5, 20. J'écris 0 et je retiens 2. 4 fois 2, c'est 8. Plus 2, c'est 10. Donc, mais j'obtiens, regardez, j'obtiens 100, plus grand que 80. C'est faux. Donc, au lieu de 4 ici, j'écris 3. 3 fois 5, c'est 15. J'écris 5 et je retiens 1. 3 fois 2, c'est 6. Plus 1, 7. J'obtiens 75. Donc, maintenant, je fais la soustraction. 0 moins 5, je ne peux pas, j'en prends 2. 8, une dizaine. 8 devient 7 et 0 devient 10. Maintenant, 10 moins 5, c'est 5. 7 moins 7, c'est 0. J'obtiens le reste 5. Qu'est-ce que je fais maintenant? Puisqu'il y a ici, virgule, là, nous avons une virgule. Le 5, j'écris à côté de 5, 0 comme unité. Donc, je n'écris pas une autre virgule. Je n'ai pas de virgule tenue là. Mais maintenant, j'ai une virgule, je vais mettre directement 0 à côté de 5 comme unité. Donc, 50 maintenant divisé par 25, je cache encore 0. Et je cache 5. Je dis 5 divisé par 2, c'est combien? C'est 2. 2 fois 25. Directement, c'est 50. Je fais la soustraction 50. Moins 50, 0 moins 0, 0. 5 moins 5, 0. Donc, maintenant, j'obtiens le reste de 0. Donc, la réponse de 8 divisé par 25, c'est combien? C'est 0,32. On commence par le numéro 13. Écris les fractions suivantes sous forme d'un nombre décimal. C'est-à-dire quoi un nombre décimal? C'est-à-dire un nombre qui contient une virgule. On commence. Un demi ou bien 1 sur 2. C'est-à-dire 1 divisé par 2. 1 divisé par 2. 1, combien de fois contient 2? C'est 0. Parce que 1 ne contient pas 2 aucune fois. 1 plus petit que 2. 0 fois 2, c'est 0. 1 moins 0, c'est 1. Maintenant, j'obtiens le reste 1. Moi, je veux le reste 0. Pour cela, j'ajoute à côté de 0, j'ajoute virgule, et à côté de 1, comme unité, ici, j'ajoute 0. J'obtiens 10. Maintenant, 10 divisé par 2, c'est 5. 5 fois 2, 10. 10 moins 10, 0 moins 0, 0. 1 moins 1, 0. Donc, la division est terminée. J'obtiens 0, le reste. Comme reste. Donc la réponse de 1 sur 2, bien 1/2, c'est 0,5. Maintenant, 2 quarts ou bien 2 sur 4. C'est 2 divisé par 4. Je dis, 2 divisé par 4, c'est combien? Ou bien 2, combien de fois contient 4? C'est 0, parce que 2 est plus petit que 4. 0 fois 4, c'est 0. 2 moins 0, c'est 2. Maintenant, j'ajoute virgule à côté de 0. Parce que le reste est 2. Moi, je veux le reste 0. Pour cela, j'ajoute virgule à côté de 0 et j'ajoute 0 à côté de 2 comme unité.
Maintenant, 20 divisé par 4. 20, combien de fois contient 4? C'est 5 fois. Donc, 5 fois 4, c'est 20. 20 moins 20, c'est 0, 0. Donc, la division est terminée. Et la réponse de 2 sur 4 est 0,5 encore. Maintenant, 1 huitième ou bien 1 sur 8. C'est 1 divisé par 8. Je dis 1. Combien de fois contient 8? C'est 0 parce que 1 est plus petit que 8. 0 fois 8, c'est 0. 1 moins 0, 1. Maintenant, j'ajoute virgule à côté de 0 et 0 à côté de 1 comme unité. 10 divisé par 8 est égal à 1 parce que 10 contient 8 une seule fois. 1 fois 8, c'est 8. Je fais la soustraction. 0 moins 8, je ne peux pas, j'emprunte. Donc 1 devient 0 et 0 devient 10. 10 moins 8, c'est 2. Maintenant, j'abaisse 2. Maintenant, le reste, c'est 2. Est-ce que c'est 0? Non. Pour cela, et puisqu'on a virgule ici, j'ajoute directement 0 à côté de 2. لانه عندي فيرغول دغري بحط 0 حد ال 2 ما بروح بحط فيرغول مره ثانيه لا حط 0 حد 2 ديريكتومون دونك maintenant 20 divisé par 8 20 combien de fois contient 8 c'est 2 2 fois 8 c'est 16 la soustraction c'est comme le suivant 0 moins 6 je peux pas j'emprunte 2 devient 1 et 0 devient 10 10 moins 6 c'est 4. 1 moins 1, 0. Encore, j'obtiens 4 et pas 0. Pour cela, encore, j'ajoute 0 à côté de 4 comme unité. Parce qu'on a virgule. Donc, 40 divisé par 8. 40, combien de fois contient 8? C'est 5. 5 fois 8, c'est 40. 40 moins 40, c'est 0. La division est terminée. Et la réponse de 1 huitième ou bien 1 sur 8, c'est 0,125. Maintenant, 4 sur 8 égale à combien? Avant de faire la division, je remarque, est-ce que je peux simplifier par quelque chose dans cette fraction? Je remarque que 4 peut diviser par 4, le numérateur est 4. Je peux le diviser par 4. Le dénominateur est 8. Je peux le diviser encore par 4. Je divise donc le numérateur et le dénominateur par 4. J'obtiens quoi? 4 divisé par 4, 1. Et 8 divisé par 4, c'est 2. Donc, 4 sur 8 devient 1 sur 2. Donc, on divise 4 par 4 et 8 par 4, j'obtiens 1 demi. Regardez, 1 demi, c'est comme on a en haut. Regardez ici, 1 demi est égal à combien? Est égal à 0,5. Ok? Maintenant, 1 quart ou bien 1 sur 4. C'est 1 divisé par 4. 1. Divisé par 4, c'est combien? C'est 0, parce que 1 plus petit que 4. 0 fois 4, 0. 1 moins 0, 1. J'ajoute virgule à côté de 0 et 0 à côté de 1 comme unité. 10 divisé par 4, c'est 2. 2 fois 4, 8. Je fais la soustraction. 0 moins 8, je ne peux pas, j'emprunte. 1 devient 0 et 0 devient 10. 10 moins 8, c'est 2. Et j'abaisse 0. Maintenant, j'obtiens 2. Et puisqu'on a virgule, on a une virgule, on a 0, on a 2. Ici. Comme unité. Maintenant, 20 divisé par 4, c'est 5. 5 fois 4, c'est 20. Et 20 moins 20, c'est 0. La division est terminée. La réponse de 1 quart, c'est 0,25. Maintenant, 3 quarts. Ou bien 3 sur 4. C'est 3 divisé par 4. Je dis 3. Combien de fois contient 4? Ou bien 3 divisé par 4? C'est 0
parce qu'on a 3 plus petit que 4. 0 fois 4, 0. 3 moins 3, 3 moins 0, c'est 3. J'obtiens le reste 3, je mets virgule à côté de 0. Donc, et 0 à côté de 3. Maintenant, 30 divisé par 4. 30, combien de fois contient 4? C'est 7. 7 fois 4, c'est 28. Maintenant, la soustraction. 0 moins 8, je ne peux pas, j'emprunte. 3 devient 2 et 10 devient... Pardon, 0 devient 10. 10 moins 8, c'est 2. Et 2 moins 2, c'est 0. Maintenant, puisqu'on a virgule, directement j'ajoute 0 à côté de 2 comme unité. 20 divisé par 4, c'est 5. 5 fois 4, c'est 20. 20 moins 20, 0. Donc la division est terminée. Et la réponse de 3 quarts ou bien 3 sur 4, c'est 0,75. Maintenant, 2 sur 8, ou bien 2 huitièmes. Avant de faire la division, un peu même la division, est-ce que je peux simplifier cette fraction? Oui. Le numérateur est 2. Le dénominateur 8. Je peux diviser le numérateur et le dénominateur par quoi? Par 2. Qu'est-ce que j'obtiens? 2 divisé par 2, c'est 1. Et 8 divisé par 2, c'est 4. Donc, j'obtiens 1 sur 4. 1 sur 4, ou bien 1 quart. Regardez en haut, j'obtiens la réponse de 1 quart, c'est 0,25. Donc, directement, j'ai pris 0,25. Maintenant, 3 sur 8. Est-ce que je peux diviser cette... ou bien, je peux, pardon, simplifier cette fraction. Fini, une simplification la fraction là. Là, nous... Je ne peux pas diviser ni le numérateur ni le dénominateur par le premier nombre. Je ne peux pas numérateur ou dénominateur à l'extérieur. Donc, je vais faire une division. 3 divisé par 8. 3, combien de fois contient 8? C'est 0, parce que 3 est plus petit que 8. 0 fois 8, 0. 3 moins 0, c'est 3. Maintenant, j'ajoute virgule à côté de 0 dans le quotient et 0 à côté de 8. À côté de 3, pardon. 30 divisé par 8. 30, combien de fois contient 8? C'est 3. 3 fois 8, c'est 24. Je fais la soustraction. 0 moins 4, je ne peux pas. J'emprunte. 3 devient 2 et 0 devient 10. 10 moins 4, c'est 6. 2 moins 2, 0. Maintenant, 6 reste. Je lui ajoute directement 0 parce qu'on a dans le quotient virgule. ما بحط فيرجل تاني وبشتغل وبرجع بحط زيرو لا خلاص بما انه انا عندي فيرجل ديريكتومون دغري بيجي بحط زيرو حد ال 6 دونك 60 ديفيزي بار 8 60 كومبيان دو فوا كونتيان 8 فكر انا بعلي شوفي الرقم بضربه ب 8 وبيعطيني رقم قريب على 60 او بيان بريميرمون اول شيء شو بضربه ب 8 بيعطيني 60 اني با مي اسكو لي ان نومبر كو جو لو ملتيبلي بار 8 Et il me donne un nombre plus proche à 60, mais plus petit. Proche à 60, mais il est plus petit que 60. Il me dit, il y a un iram. Droubi 8, il y a un iram. Asgar mène 60. Ok? Arrive à l'ayavas, asgar mène. Donc, c'est 7. 7 fois 8, c'est 56. Je fais la soustraction. 0 moins 6, je ne peux pas j'emprunte. Donc, 6 devient 5 et 0 devient 10. 10 moins 6, c'est 4. 5 moins 5, c'est 0. 4. Le reste. Qu'est-ce que je fais maintenant? Directement, j'ajoute 0 à côté de 4. Maintenant, 40 moins, divisé par 8, c'est 5. 5 fois 8, 40. 40 moins 40, c'est 0. Donc, la division est terminée. Et la réponse de 3 huitièmes ou bien 3 sur 8, c'est combien? C'est 0,375. Merci mes élèves pour votre attention et à la prochaine fois. Au revoir.